نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Chers frères, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le Tout Miséricordieux, Maître des mondes et de l'univers. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous avoir accordé iman, de nous avoir accordé la santé, de nous avoir permis de venir tout à la masjid pour accomplir la salatul jum'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le jour de Qiyama, ce sera un jum'a, un vendredi. Et le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi, donc il faut lire la sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que celui qui lit la sourate Kahf le jour de Jum'a, Allah subhanahu wa ta'ala l'éclaire entre les deux vendredis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que celui qui lit tous les Jum'a, tous les vendredis la sourate Al-Kahf, alors le jour de la résurrection, une lumière jaillira de ses pieds pour le protéger. Rapporté par Abu Darda, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque récite les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf et dans une autre version les 10 derniers de la sourate Al-Kahf sera protégé contre Dajjal. Rapporté dans Muslim. Dajjal qui sera la plus grande épreuve que connaîtra l'être humain, c'est le plus grand test, le plus grand fitna. Et cette sourate Kahf qui rapporte 4 récits nous montre comment justement nous protéger contre ces fitnas. Il y a les 4 histoires, rapidement on va dire rapidement les 4 histoires, et par rapport aux 4 histoires il y a 4 épreuves qu'on rencontre dans la vie de tous les jours et les solutions aussi sont apportées dans cette sourate. La première histoire c'est celle des jeunes qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala et invité vers Allah subhanahu wa ta'ala malgré le roi tyran qui gouvernait donc la région qui les empêchait de pratiquer leur religion. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: "Wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata." Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'il s'était levé pour dire: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'avons point de divinité en dehors de lui. Qu'ils ont invité vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient des jeunes, et ils ont resté fermes sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas suivi des autres religions. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a entendu leur invocation et Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus par de grands miracles, Allah subhanahu wa ta'ala les a dirigés vers la caverne, la grotte, pour se protéger, pour se réfugier, comme nous savons tous. Ces jeunes-là se sont endormis pendant 309 années, et lorsqu'ils se sont réveillés, tout le village donc, était déjà musulman. Cette épreuve, dans le din, a existé depuis toujours. Et la solution, c'est quoi? Wasbir nafsaka, dans l'ayat 28, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. La solution c'est se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire preuve de patience et aussi avoir de bons compagnons. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur le matin et le soir. بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي, le matin et le soir. Recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir auprès des plaisirs de ce monde. Pour pouvoir progresser dans notre vie, pour pouvoir rester ferme, il faut avoir de la bonne compagnie des gens qui nous mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport, donc cette épreuve, première épreuve, c'est l'épreuve, la fitnatud din, l'épreuve dans la pratique de din, et cela sera au temps de Dajjal, car Dajjal va appeler les gens à l'adorer et de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire des miracles. Dajjal c'est un être humain, c'est pas un internet, c'est pas autre chose, c'est un être humain, et ce sera écrit sur son front, les croyants verront sur son front
kafara, donc celui qui a renié Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième épreuve, deuxième histoire, celle d'un homme auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné des bienfaits. Et ces bienfaits lui ont fait oublier celui qu'il a donné son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a deux personnes, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donne-leur cet exemple-là des deux hommes. L'un, on lui a donné deux jardins qui sont cultivés, entourés de palmiers, avec des ruisseaux et qui donnent en abondance des fruits pendant toute l'année. Il a dit avec l'autre compagnon, donc il y avait ce dialogue-là, il disait avec l'autre compagnon que tout ça, je possède plus de biens que toi maintenant. Et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. وكان له ثم فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. Maintenant j'ai plus de biens que toi et mon clan est plus fort. Et il a oublié aussi qu'arrivera le jour de la résurrection. وما اظن الساعه قائمه. Je ne pense pas que l'heure arrivera. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait qu'un jour il a tout perdu, donc il a regretté, mais après c'était trop tard. La solution ici, lorsqu'on est éprouvé dans nos biens, les biens doivent être utilisés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être clairvoyant sur la réalité de ce monde. Ayat 45 dans la sourate Al-Kahf. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Propose-leur cette parabole-là de la vie dans ce bas monde. Elle est semblable à cette eau que nous faisons descendre du ciel, cette goutte d'eau qui descend et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite. Ces feuilles-là vont mourir et vont tomber par terre et le vent va balayer ces feuilles mortes-là. La vie d'ici-bas, c'est comme ça. On va prendre un peu de temps dans cette vie-là et on sera balayé. Donc, de ne pas s'attacher à ce monde-là. Être clairvoyant sur la réalité de ce monde et toujours penser à l'au-delà. Et au temps de Dajjal, il va nous éprouver dans les biens. Parce que lorsqu'il va passer, derrière lui, il y aura des kunouz, des trésors et des trésors. Et tout le monde voudra être riche à cette époque-là. En plus, il va contrôler la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala va donner ce pouvoir-là. Il va tenter les gens avec sa richesse. Donc à nous de tirer la leçon de ce récit-là, depuis maintenant de mettre en pratique. Première épreuve dans le dîn, deuxième épreuve dans les biens, troisième épreuve, c'est l'épreuve dans la connaissance. Troisième histoire, celui de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr alayhi salam. Donc un homme du peuple de Moussa alayhi salam, il a demandé à Moussa alayhi salam de qui était la personne la plus savante sur la terre. Alors pensant l'être, parce qu'il était un prophète, un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui avait répondu que c'était lui. Parce que lui parlait directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé qu'il y a des personnes qui sont plus savants que toi sur terre. Dès qu'il a entendu ça, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer une de ces personnes-là. Et il a dit, même si je dois voyager pendant des années et des années, je veux rester en compagnie de cette personne-là. C'est là qu'il a entrepris son voyage et il a rencontré Al-Khidr alayhi salam à un endroit fixé, donc c'est écrit dans le Coran. Il a demandé à rester quelque temps avec cette personne-là et Al-Khidr lui a dit que tu restes avec moi à une condition, que tu ne me poses aucune question sans que je ne t'ai informé. Tu me trouveras, Inch'Allah, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en moi un homme toujours patient. Et donc il y a eu ces trois incidents-là, en apparence, on voit que c'est mérité, c'est immoral. Comment il a fait ça? Mais Al-Khidr agissait par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons tous les trois récits là. Donc, en premier, il avait endommagé le bateau dans lequel il voyageait. En deuxième, donc Moussa alayhi salam dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de nous noyer là. Et il a dit, non, je t'ai dit de ne pas poser des questions. Ensuite, il a dit, donc j'ai oublié. Et deuxième, c'était quoi? C'était donc, il avait tué un garçon. Et il a dit, pourquoi tu tues quelqu'un innocent? Il a dit, attention, je t'ai dit de ne pas poser des questions. Et troisième, ils étaient arrivés dans un village qui avait refusé de les accueillir. Et en sortant,
il y avait donc un mur qui allait s'effondrer, donc il a reconstruit ce mur-là. Et Moussa Al-Sim lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut demander rémunération. Et là, il a dit que, voilà, maintenant, tu n'as pas pu être patient. Je te donne le tafsir de ces trois-là. Donc le premier, parce qu'il y avait, lorsqu'on arrivait à port là-bas, il y avait un tyran qui prenait tous les bateaux qui étaient en bon état. Donc j'ai abîmé celui-là parce qu'il ne prend pas ce bateau-là. En deuxième, le garçon qui l'a tué, parce que cet enfant-là était désobéissant envers ses parents, il avait fait du mal à ses parents-là. Et troisième, le mur qui allait tomber, en fait, ce terrain appartenait à deux orphelins qui, dans cette terre-là, il y avait des trésors. Et si le mur s'effondrait, ces trésors seraient ressortis et il n'aurait plus eu rien. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il dit? Al-Khidr, il peut dire que ça, c'est de moi, ça. Moi, j'ai plus connaissance de toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai agi selon l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai agi. Wa ma fa'altuhu an amri. Donc, ça, c'est par l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on va apprendre la connaissance aussi, il faut le ilm, il faut être patient. On a vu, Moussa alayhi salam n'était pas patient. Donc, ça s'est arrêté à là. Le prophète alayhi salam disait que si Moussa alayhi salam était plus patient, il y aurait eu d'autres choses aussi. Donc, il faut être patient lorsqu'on apprend la connaissance dans tous les domaines. Donc, il y a ce récit au temps de l'imam Ahmad, rahimahullah, Baqi ibn Qayy. Baqi ibn Qayy, donc, c'est cité par Al-Dhahabi dans son livre. Donc, Baqi ibn Qayy, il habitait en Andalousie, en Espagne. Et à Bagdad, Imam Ahmad donc, vivait là-bas. Donc il a voulu apprendre le hadith avec Imam Ahmad rahimahullah. Donc il a traversé pendant des mois toute l'Europe et ensuite il est arrivé là-bas. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a demandé à avoir la maison de Imam Ahmad rahimahullah. Mais on lui a indiqué que depuis quelque temps, l'Imam Ahmad est interdit de faire dars. Le gouverneur, le roi de cette époque, lui a interdit de faire dars. Il ne peut plus parler à personne. Donc il était très déçu. Mais il ne s'est pas arrêté en chemin. Son objectif, c'était d'apprendre des hadiths. Donc il est parti voir la maison d'Imam Ahmad, rahimahullah. Il a cogné. Imam Ahmad est sorti. Et il a dit, voilà, je veux apprendre des hadiths. Il a dit, il m'était impossible de le faire. Il m'est interdit de faire le dars. Je ne peux pas le faire. Alors, cet homme-là, il s'est pas arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tous les jours, je vais venir habillé en mendiant, comme un pauvre, avec des habits différents. Et je vais frapper à ta porte en disant Al-Ajru rahimakumullah, Al-Ajru, comme un mendiant qui vient demander. Et lorsque je vais, tu vas ouvrir la porte. Au lieu de me donner des biens, tu vas me donner un ou deux hadiths. Tu vas m'apprendre un ou deux hadiths. Et c'est ce qui s'est passé et il a pu apprendre ainsi 300 hadiths. Et quelques temps plus tard, lorsque le roi avait changé et on avait permis à Imam Ahmad de recommencer de faire les dars, un jour, il est venu dans le dars, et là, Imam Ahmad, il s'est levé. Il a dit, « Hada talibul ilm. » Ça, c'est un élève qui recherche la connaissance. Et tout le monde s'est levé et est allé voir cette personne-là. Donc, dans la recherche de la connaissance, il faut être patient. Et lorsqu'on a une connaissance aussi, de ne pas garder pour soi, lorsqu'on a su tel ou tel, on a tiré dans tel ou tel endroit, on a entendu avec telle ou telle personne, donc, de donner la source. Pour terminer, dernière épreuve, fitnatu sultan, l'épreuve dans l'autorité. Dernière histoire, celui de Dhulqarnayn. Il était un roi juste qui répandait la vérité, la justice et le bien sur la terre. Il parcourait l'est, l'ouest, le monde entier pour apporter donc, il possédait des ressources matérielles comme la science, la technologie. Inna makkanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in sababa. Donc nous avons affermi sa puissance sur la terre et nous avons donné libre voie à toute chose. Donc un jour, lorsqu'il parcourait la terre pour aider les gens, il est arrivé à un endroit où les gens se communiquaient difficilement, ils ne comprenaient pas leur langage. Et même là, donc ils ont demandé, donc ces personnes, ils demandaient à Dhulqarnayn de construire un mur entre eux et Ya'juj et Ma'juj qui sont en train de commettre les désordres. Ils pouvaient le faire, mais c'est ce qu'il a dit. Je vais le faire, mais vous m'aidez.
Aidez-moi donc avec force et je construirai un mur entre vous et eux. » Donc, il a appris à ces gens-là, même s'ils ne pouvaient pas communiquer comme il le faut, il a appris à ces gens-là à se défendre. Donc, la solution, lorsqu'on un jour, donc on est responsable, soit de la famille, soit des enfants, soit des projets, soit d'une association, soit on est employé, donc on a des personnes à notre responsabilité. Là aussi, donc, la solution, c'est de... Au-dessous de nous, il y a toujours quelqu'un, et au-dessus de nous, il y a toujours quelqu'un. D'avoir pitié pour celui, la personne avec qui on a responsabilité, et au-dessus de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Il faut être sincère, la sincérité dans nos actions. Voilà les épreuves qu'on connaît aujourd'hui, épreuves dans le din, épreuves dans les biens, les épreuves dans le ilm et les épreuves dans l'autorité, et voilà les solutions que la sourate Al-Kahf nous apporte. Donc d'être sincère, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de se souvenir toujours de l'akhira, d'avoir de bons compagnons, d'être clairvoyant sur la réalité de ce monde et d'être humble, d'avoir cette qualité donc de l'humilité. Maintenant donc, quand nous connaissons les secrets de la sourate Al-Kahf, maintenant on va le lire, on va essayer de l'apprendre par cœur, au minimum les 10 premiers, les 10 derniers ayats de cette sourate. On va le lire avec réflexion, on va essayer de comprendre et ayons une sincère intention de mettre en pratique les leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette sourate-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre toutes les fitnas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre la fitna du Dajjal et toutes les épreuves de la dunya et de la akhira. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah.